Bonjour tout le monde, vous allez bien ce matin? Il fait soleil un peu voilé. Bon, je suis devant le centre de contrôle technique. On va se tourner tout doucement. Derrière moi, il y a Foxy. Il est prêt. Voilà, vous voyez là, derrière là, c'est le centre de contrôle technique. Et puis j'attends, il va me prendre dans... Mais le rendez-vous c'est prévu à 13h40, donc voilà, il va me prendre à 13h40. Tout va bien, c'est parfait, et puis on attend la suite. Allez, à plus. Donc voilà l'intérieur du centre. Allez, le monsieur, il est parti chercher Foxy, qui garait en face. Et il va rentrer par le derrière. Il m'a autorisé de filmer, hein, vous inquiétez pas. Domino, il faut que tu sors de là. Domino, il est avec moi, bien évidemment. Il ne peut pas rester dedans. Ouais, on ouvre un peu, il fait chaud, il a raison. Allez. Ici, il y a location de véhicule. Ah, je viens de penser, il y a un truc qui ne marche pas. Bon, j'espère qu'il va pas trop râler. C'est qu'en fait, c'est le... Je peux plus régler les rétros. Mais je pense que c'est juste un fusible. Allez, on va attendre qu'il rentre. Le voilà qui arrive. Tout doucement, il fait ça bien. Ouais, il a l'habitude. Attention, fais pas tomber Foxy. Allez, c'est parti. Il fait le tour d'extérieur, contrôle toutes les autocollants. Oui, effectivement, Ambre, ce matin, elle m'a dit que il faut vérifier que tous les autocollants sont en place, eau, gasoil, chauffage, et ainsi de suite. Les feux, moteur. Il fait tout avec sa petite tablette. Et ensuite, je pense que c'est transmis directement de l'ordinateur. Ça, c'est quelque chose qui me fait toujours mal quand il accélère à fond. Mais bon, je comprends qu'il faut le faire pour l'échappement. Pour contrôler les gaz qui sortent. Et c'est pour ça. Ça me fait mal au cœur, tout ça. Chaque fois, ça me fait mal au cœur, mais bon. Oh là là, pauvre Foxy. Mais bon, t'es chaud, ça va. Donc, pas trop grave. Rôle de phare, maintenant. On essaie de rapprocher un peu. Voilà. Ça va. Allez, on ferme le capot. Allez, il y a un petit guide. Très bien. Fais pas tomber Foxy, hein, c'est pas le moment. Il fait ça tout doucement. Ah, c'est freinage. C'est l'heure de la vérité maintenant. Hein. Freinage maintenant. Hop. Ça freine ou ça freine pas?
Alors, ça fait quoi? Ça, c'est pas les freins, ça, c'est amortisseur et tout ça arrière. Tout pour que s'y vibre. Hop là. Allez, hop là. Doucement. Allez, viens. On va regarder un peu le dessous de Fuxi. Non, 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 Domino. Non, viens ici. Et on tourne à gauche et on tourne à droite. Ça a l'air bien, ça. Allez. Domino, viens là, parce que... Hein? Faut pas te faire écraser. Tout doucement. Fais ça vraiment très doucement. Allez, on attend le verdict maintenant. J'ai peur, on va aller voir le monsieur. Bon, voilà le verdict. Moi, je m'attendais à pire, il faut le dire aussi. Hein. Alors, il y a une contre-visite à faire. Il y a rotule, la rotule de suspension avant droite à changer. Donc, ben, je veux voir, je vais téléphoner un peu. Il y a un Speedy pas très loin ici. Apparemment, il y a aussi d'autres garages. Je vais me trouver un garagiste qui peut me faire ça. Je ne sais pas combien ça coûte, j'en ai aucune idée. Et ensuite, je vais retourner au même centre. Ben, pour la simple raison, quand j'avais fait la réservation, il y a un peu de déséquilibre entre le freinage gauche-droite. Et en fait, non. Donc, parce que quand j'ai réservé le contrôle technique, oh là là, j'étais encore, je ne sais pas, au Portugal, Espagne, je ne me souviens même plus, ça fait un bon bout de temps. Et j'avais pris avec l'option contre-visite, parce que la contre-visite, normalement, ça tourne entre 15 et 20 euros, voire plus, ça dépend des centres. Et eux, quand on fait le règlement et quand on réserve par Internet, ils proposent l'option contre-visite à 5 euros. Donc, eh bien, du coup, j'ai pris ça. Voilà. Résultat de contrôle défavorable pour défaillance majeure. Défaillance majeure. Mais forcément, quand c'est une défaillance majeure, eh bien, c'est contre-visite. Mineur, c'est pas grave. Tambour de frein, disque de frein à observer, à surveiller, éventuellement à changer, mais c'est bas, c'est bon. Fonctionnement de phare, c'est bon, mais c'est qu'en fait le chrome à l'intérieur, c'est ce qui brille, c'est un peu rouillé à gauche et à droite, voilà. Et puis donc, et j'ai jusqu'au 17 août 2019. Voilà. En attendant, eh bien, je suis retournée à... Attendez, je
tourne tout doucement. Je suis retournée à l'aire de camping-car à Chalon-sur-Saône. Je vais téléphoner un peu à gauche et à droite. Et autre bonne nouvelle, demain Ambre va arriver. Elle va me rejoindre ici. Allez, à plus. Ciao, ciao.